Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un booster soleil et lune, comme d'hab, Archiduc. Alors juste avant de l'ouvrir, pour préciser à propos de la vidéo d'hier avec le Noctali GX Full Art, je n'ai pas choisi la miniature. Comme j'ai dit, je passe pas de temps à éditer la vidéo ou quoi que ce soit. Ce qui fait que ben, vous pouvez le voir, ça bouge et tout. Là, je suis sur mon lit, pépère, donc c'est pas la qualité est pas optimale. Et je transfère pas la vidéo de mon portable sur mon ordi en fait. Je la mets directement de mon portable sur YouTube, sur l'application YouTube, l'app de l'Apple Store quoi. Et en fait, du coup, YouTube choisit une, comment on appelle ça, une miniature directement, donc j'ai pas le choix de changer la miniature. Et c'est pour ça que du coup, vous avez été spoilé sur la pioche. Mais enfin, en soi, je trouve pas que ce soit dramatique étant donné que la carte est super belle. Mais c'est vrai que de moi-même, si je mets une vidéo sur de mon portable sur l'ordi, je ne mettrai pas de miniature spoil, comme on dit. Voilà, juste pour la petite info. Donc, je vais ouvrir mon booster. Et cette fois-ci, j'ai pris vers le fond du display à gauche. Mais qu'est-ce qu'ils sont scellés ces boosters? C'est abusé. Alors, j'ai hâte d'ouvrir mon display, mes displays Soleil et Lune 2. Mais ça va devoir attendre parce que je pars en week-end. Ce week-end. Donc, bébé. Ah, c'était le code en ligne. Donc, ça va. Du coup, ouais, ça va devoir attendre avant d'ouvrir mes displays. Ouais, mon premier display, Soleil, Lune. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, j'adore l'odeur des cartes Pokémon, ça sent bon. Allez, Araquois. On le voit très souvent, Araquois. Croquine. Ponchio. Paras. Elle est très mignonne cette carte. Rapace des Piques. Une énergie fée. Rose, j'adore. Un Draco qui est très très joli. Super joli ce Draco. Tétarte. Très belle élue aussi. Et un Maillet écrasant. En reverse, une petite reverse qu'on n'a pas, j'espère. Ah bah, maillet écrasant. Je sais plus du tout si je l'ai ou pas. Et en rare, on a un Orataria que j'ai eu plein de fois. Orataria. Voilà, donc je crois que pour le coup, la meilleure carte, c'est le maillet écrasant en espérant que je ne l'ai pas déjà. Je vais aller regarder ça tout de suite. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à demain!